Vous l'avez pas dans les jambes, vous, les 55 mètres pour la tenter? Je les ai jamais vus. Même au sommet de votre carrière, vous les avez pas vus? Oh non. Eh bien, on va voir. Zach Henry, vous le voyez ici, le Britannique. Il joue arrière aussi, hein. Qui a joué arrière. Oh là 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 là, il la passe facile même. Il peut la tenter des 60 mètres. Énorme. Concentration. Elle est bien partie cette balle et ça va passer. Superbe. Superbe. En plus, il y a deux buteurs de très haut niveau aujourd'hui. Les yeux revolvers de De Braak. Le pistolero. Et ça va passer. Impeccable application, concentration. Il a la cible. Et il fait mouche. C'est du 100% de chaque côté pour les buteurs pour l'instant. Quel match, quel engagement, quelle volonté des deux équipes de faire jouer cette balle. De mettre du mouvement. Il est passé, Tito Aguilon. Il va aller laisser peut-être Tito Aguilon. Il a glissé sur ce terrain synthétique. Il a glissé. Et ça peut donner un gros contre. Attention, ça peut aller très vite. Avec Alari. Alari avec les cannes. Oh, c'est incroyable que c'est cruel s'il prend la balle. Alari qui va marquer l'essai. Le premier essai pour Alari et pour l'équipe. Pardon, pas Alari, mais pour Gabin Villière. Gabin Villière, évidemment que c'est Gabin Villière qui est arrivé. Gabin Villière, c'est le meilleur marqueur de finale. C'est un chasseur d'essai. Regardez-le. S'il y en a un qui devait marquer un essai, c'était lui. Là, on voit la prise d'intervalle de De Braak, le jeu qui va rebondir. Après, je sais pas si une voilà, bonne communication là. De ses collègues parce que... Alors regardez, là. Hop, il tente le crochet, c'est là où il glisse et il lâche la balle. Regardez, le ballon qui lui échappe. Et derrière, Villière, c'est une fusée. Il va taper et là, c'est lui hein, qui tape. Et derrière, l'accélération, la course incroyable. C'est le meilleur marqueur d'essai de Fédéral, Gabin Villière. C'est le monsieur plus de cette équipe de Rouen. Pisté un petit peu par tout le monde, il faut bien le dire. Alors on m'a noté 29 essais en 20 matchs. 29 essais en 20 matchs, ça fait 30 essais pour Villière. C'est énorme et la transformation pour Henry. Attention, elle est importante, cette pénalité. De Braak, est-ce que ça va passer? Oui, encore une fois, c'est du 100% pour le demi d'ouverture capitaine de cette équipe de Mâcon. La libération pour Guidlaou, Pidgey Guidlaou, le Samoan numéro 12 de Rouen. Nicolas qui relève la balle. Henry, est-ce qu'on va réussir à mettre un peu de vitesse? Pour l'instant, on n'a pas avancé ici. La passe après contact là. Allez, Tébogna, un petit en avant. L'arbitre l'a joué. Qui va finir? Super. Le geste Giscard est meilleur qui va marquer le deuxième essai de la partie. Ouh, qu'il est beau cet essai. Superbe coup. Qu'est-ce qui nous a fait Gabin Villière dans la défense, pris par deux joueurs, qui sort le bras et qui libère le ballon pour un meilleur, qui n'a même pas eu besoin de son physique pour aller marquer cet essai. 4 ans hein, qu'un travail, c'est un cycle quasiment de 4 ans pour l'équipe de Rouen. Voilà, il veut dégager tout de suite et il a raté son dégagement. Le ballon, c'est terminé. C'est donc Rouen qui met la main sur le Jean Prat. Est-ce que Rouen aura la même aventure que Chambéry la saison dernière? On rappelle, Chambéry avait décroché le Jean Prat et Chambéry a joué la finale pour accéder entre les deux dans la foulée. Richard Hill, salué avec Jean-Louis Nouvel, son président. C'est Rouen, le Lion de Rouen, c'est la Normandie. Rouen qui devrait peut-être même changer de nom puisque maintenant on veut avoir une identité complètement normande avec vraiment... un consensus fait autour de tous les clubs normands derrière Rouen. Les joueurs des îles qui vont saluer, qui vont prier. C'est la tradition pour les joueurs des îles, la prière, le titre décroché. Le Jean Prat, il est là pour Rouen qui aura fait une saison exceptionnelle. Lyon avait été champion en 2002, Limoges en 2003, le Pays d'Aix en 2004, Colomiers 2005, Gaillac 2006, Aurillac 2007, Colomiers 2008, Lannemezan 2009, Carcassonne 2010, Béziers en 2011, Colomiers en 2012, Bourg-en-Bresse 2013, Montauban 2014, Pays d'Aix 2015, Chambéry 2016 et l'équipe de Rouen en 2017.